You know, it was a mixture of feelings. The last day that we actually closed out as a cast, because people had different rap dates, but the last day we were all together was, I think, something that all of us are going to remember for the rest of our lives. Of course it was sad for us to be putting these characters to rest and know that we're not going to be filming this anymore, but the nice part about it is that we do have the press tours and we do have the second part of Breaking Dawn coming out next year, so we don't really have to say goodbye to each other yet. So I think it's nice because we're kind of weaning ourselves off Twilight. Alors bien sûr, sentiments mélangés, parce que à la fois, évidemment, c'était dire adieu à une aventure qui serait probablement unique dans leur existence. Et puis, bien sûr, comme chacun des personnages avait des jours différents pour des dernières scènes, eh bien, c'était surtout le dernier jour où tous se sont retrouvés. Évidemment qu'il y avait un peu une certaine tristesse, mais en même temps, lorsque vous découvrirez le deuxième chapitre de Révélation l'année prochaine, eh bien, vous découvrez évidemment d'autres choses. Donc l'aventure n'est pas tout à fait finie pour eux, du moins sur vos écrans. What about you? Well, ladies, first, you're polite. You're such a gentleman anyway. A gentleman, comme dans Twilight. I mean, it was also a really, I mean, I'm going to do the negative side. I don't know if you've done the positive. it was like a really, really long, hard shoot. And it was impossible during the 9 months on Breaking Dawn. So at the end of it, it was funny as well, because we'd done so many night shoots in such terrible weather. And then the last night was like a 16-hour day, and then it's pouring with rain, freezing cold. Everyone's just like, "Oh, this is Twilight." So it's kind of, at least it ended in a kind of familiar way. Alors voilà, pour parler un petit peu du côté difficile quand même de Twilight, eh bien c'est que c'était quand même un tournage, des journées très longues, un tournage difficile. Le temps n'était pas particulièrement génial, il faisait froid. 9 mois quand même pour les deux derniers chapitres donc de Révélation. Donc en gros, parfaitement en accord avec le nom lui-même, Twilight, finalement. Donc je me suis dit, voilà, c'est la fin, mais ça se termine comme ça devait être, c'est-à-dire froid, difficile, mais excitant. Dernière question de Ludivine Chailloux. Alors, quel est le rôle de vos rêves, celui que vous avez toujours voulu interpréter? Is there a part you've always dreamt of, a character you've always dreamt of playing? Are you with us? Are you with us? Yeah, she's with us. Is there a part you've always dreamt of playing? A film you've always dreamt of acting in? I mean, this one was one of them, and I've done that, so that's very exciting. You know, I think Alice was such an incredible character to be able to play and to be able to have this incredible fan base to support me while I was doing it. Otherwise, I'm kind of one of those people that I think, you know, what's going to come along is what's going to come along, and what's supposed to happen will. So I'm just excited to see kind of what falls into my lap next. Alors voilà, et bien d'abord, un rôle de mes rêves, et bien c'est évidemment celui que j'ai joué avec Alice, parce que c'est un personnage incroyable. Et puis je crois que de toute façon, sans citer de rôle en particulier, je crois en ce qui vient. Et donc j'attends mes prochains rôles avec bonheur. Any dream part? I just want to play a part where I get to shoot someone. Alors j'aimerais juste comme ça, juste un rôle dans lequel j'abatte quelqu'un, parce que je ne l'ai jamais fait, ni sur Twilight ni ailleurs. Shoot anybody. N'importe qui, vous êtes, voilà, hein, la cible peut être, voilà. Alors maintenant, bien sûr, c'est à vous, les questions que vous avez toujours rêvé de leur poser. And now these are the questions that they've always dreamt of asking you guys. Alors, des micros vont circuler, première question, ici. Oui, oui, pourquoi pas. Are you in shock?
Alors bonsoir. Maintenant que la saga est finie, ben, je me demandais qu'est-ce que vous allez regretter le plus dans vos personnages qui, eux, vous ont rendu célèbres. Well, now that the saga is over, what do you think you'll miss most about these characters that made you world famous? It's funny, I was trying to translate the question myself. And I translated it to, like, what creams do you use on your face? Robert, we want to know. I would answer that very strangely. Non, non, mais il disait qu'il essayait de comprendre ce que, voilà, la question en français. Et il avait cru comprendre que la question était, mais quelle crème est-ce que je l'ai donc encouragé à répondre, mais il a dit, non, je réponds à la question. Alors I forgot what the question is. Now that the saga is over, anything you will regret about the character that put you on the world map of actors? I guess things like on the first one, I did all this. Like, I guess because I was obsessed with it as myself about Edward's hair, and it's just hounded me like ever since. And so I guess I wish I just had a shaved head or something. Alors vous savez que pour cette saga, eh bien, ma coiffure m'a toujours posé un léger problème. Donc peut-être qu'il y a un côté chez moi obsessionnel qui aurait aimé peut-être que ce, voilà, que finalement je me rase la tête après. They love you better with your hair. Yeah. Such. We don't know that. What about you, Ashley? You're asking what I'm going to miss from it. Yes. I'm definitely not going to miss the contacts, because those were fun. What are you not going to miss, sorry? The contacts I won't miss. You can't see anything. It's really bad. But I think the stunt work was really fun, and appearing to be supernaturally strong and graceful. Alice is really graceful, so it was nice to be portrayed that way, because I'm not so much in real life as her. And I think just, literally, I went to work every day and all I had to do was be happy for the most part, and cheerful, and sing and dance around, and so it was a really fun character. Alors c'est vrai que bon, alors ce que je n'ai pas regretté, eh bien c'est le côté un peu de mes visions finalement. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup l'idée d'avoir les lentilles de contact. Quoi? C'est les lentilles de contact. Oui, évidemment. C'est vrai que ça ne va pas me manquer. Mais je dois dire que mon personnage était tellement joyeux, tellement. Tous les jours, lorsque j'arrivais sur le tournage, c'était un personnage gracieux, joyeux, que ça, eh bien, ce côté-là, eh bien, ça va me manquer. Voilà. Autre question. Excusez-moi, alors, juste comme ça. On a un cadeau pour Robert, et on a un peu dépensé beaucoup d'argent, donc bon, si on pouvait le faire passer, ce serait cool. A gift right now, maybe we can... On peut peut-être... Bon, alors, le cadeau, ok, there's a gift. From us, Laya and me. Voilà. All right. Alors, question là-bas. Qui vous voulez? Bonjour. Donc, on est beaucoup dans la salle à adorer les musiques de Robert. Donc, on aurait souhaité savoir si vous auriez pu nous chanter. Many here that absolutely admire your singing and musical talents. They were wondering if you could sort of sing something, play something, but he doesn't have his guitar, his piano or something. Is there anything you have? A spoon? Two spoons? No. Ashley's offering to hum. Yeah. It was a solo. Your solo. All right.
place. Il n'y était pas à sa place. Mais imaginez-le, autre question. Pas là-bas, au fond, vers le fond. Sorry. Eh bien, bien.